Ce week-end, un nombre important d'entreprises chinoises ont participé au premier salon de l'emploi du Brésil à Sao Paulo. La réponse du public a été très positive. Plus de 400 personnes ont candidaté à 90 postes. Les analystes disent qu'un taux de chômage constamment élevé a pesé sur le marché de l'emploi du pays. La plupart des chercheurs d'emploi du salon disent que la croissance économique chinoise est impressionnante et ajoutent qu'ils sont attirés par les opportunités qui existent au sein des entreprises chinoises. C'est 11 millions de personnes sans travail. Pour les jeunes entre 18 et 25 ans, c'est 24% de chômage. Donc les gens cherchent désespérément du travail. Je reviens tout juste de Shanghai où j'ai vécu un an et demi. J'ai obtenu un MBA là-bas. J'étudiais déjà le chinois au Brésil. J'ai donc combiné deux choses que je voulais faire, c'est-à-dire avoir un MBA et améliorer mon niveau de chinois. Je cherche avant tout des opportunités pour me développer professionnellement dans les affaires internationales. Je cherche du travail dans les entreprises internationales. La Chine est une des plus grandes économies du monde et peut-être que dans quelques années, elle sera la plus grande. Tout ce qui vient de Chine constitue une vraie opportunité.